Yeah, it's cool. Yeah, we're good to go. Alright. Alors, l'estimate est à 8 minutes, mais ce sera fini bien avant, je pense. Whenever. 3, 2, 1, go. Alright. This is Speak Adventure. Go, c'est parti. This is a title game from 2005. It's a sequel, actually. Donc, début du premier niveau, vous pouvez voir dès le début qu'il y a beaucoup d'ennemis. It's a Windows XP based game, so you just play on PC. Basically, I'm just a cute anime girl with an umbrella. That's a whole level. Voilà, on atteint déjà la fin du début du niveau. Car les niveaux sont divisés en plusieurs segments qui permettent d'arriver à un boss. Most of these enemies actually have no hitbox. They don't exist. Bien sûr, entre chaque segment, il y a une petite cinématique qui sera skippée par les runners pour le confort de la run. Et parce qu'on n'a pas de temps à perdre avant Tetris. Sachez-le. Alright, we got our first boss here. It's a jetpack teddy bear. I'm just gonna dive kick it. It just, he's random. He just kind of moves around the screen. Voilà, c'est donc le premier boss. Le Teddy Jetpack Robot. Sort. Un boss assez facile à battre qui va bien sûr exploser. Car le jeu a été produit entre autres par des amis de Michael Bay. Ou des japonais en fait. Je change pas trop. T'es un petit peu en retard visiblement. Oui, je suis un petit peu en retard. Je vais essayer de t'aider un peu. T'es un peu perdu. Visiblement, alors les ennemis n'ont aucune hitbox, donc c'est assez infâme, c'est assez ridicule. Certains du coup, ça rend le truc un peu simpliste, si j'ose dire. Et il avait l'air de dire que ça tournait sur Windows XP. Ce jeu. Mais c'est sur l'émulateur en fait. Voilà. Le jeu est sur arcade avec un émulateur. Non, mais c'était. Ouais, enfin, il y avait commencé sur Windows XP. Hein. Ouais, déjà fini. Ouais, t'as environ 5 secondes de retard, quoi. C'est très mignon, en tout cas, très mignon. Ouais. On peut rajouter qu'à chaque fois que le joueur marche sur une dalle carrée, ça fait sortir des fleurs qui augmentent un peu le score. Poussant alors le joueur de base à marcher sur toutes les dalles pour avoir plus de points, mais c'est un runner alors. Voilà, le deuxième boss, les astronautes. Voilà, les astronautes ou la hoop. J'avais l'air de dire que les boss étaient quand même assez random. Ouais, surtout celui-là en fait. C'est soit il se fait battre en 20 secondes, soit enfin, en 2-3 secondes, soit il se fait battre plus lentement parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, les gens sont tellement ambiancés dans la salle, c'est un truc de malade. À mon avis, t'as tous les gens de Tetris qui sont dans la salle, qui attendent Tetris. Et mais du coup, c'est plutôt rigolo. Beaucoup de gens attendent Tetris. Ne vous inquiétez pas, il vous reste à peu près 3 minutes à vous faire chier avec moi. Non, c'est pas pareil, t'inquiète pas, je pense pas que ce soit par rapport à toi. C'est plus le jeu, à mon avis, qui est pas particulièrement passionnant. Mais après, bon, c'est rigolo. C'est la passion, ce jeu-là. Ouais. C'est drôle parce que tout le monde le hype derrière. Il y a Darkman donc au milieu du canapé. Runner très cool, que vous connaissez sans doute pour The Final Split, encore une fois, animateur du Final Split. Et évidemment, c'est un indispensable gameblog, bien sûr, évidemment. Speak Adventure. C'est sûr que pour le coup, ce jeu ne casse pas des briques. Ah, joli ce boss. Ah, parfait. Et là, alors, nous sommes en train d'affronter le boss. Qui se fait battre en 3 coups. C'est un peu le boss le plus simple du jeu. D'ailleurs, on me signale que Gekuri veut speedrun le jeu. Donc, on l'espère avec impatience qu'il le speedrunnera. Et on lui souhaite bonne chance. Et est-ce qu'on n'arriverait pas déjà vers, vers le dernier niveau? Nous sommes déjà au dernier niveau. C'est ça. Le jeu est composé de plusieurs routes. Et que c'est la route la plus facile. Ouais. Oh, world records in danger. We're not gonna get it, are we? No, we'll get it. Trust me.
Il a l'air de dire que le world record s'est raté. Tu te trompes dans le chat, salaud. Alors bien sûr, si ce jeu vous intéresse, on vous invite comme d'habitude avec à peu près tous les runners de la JDQ et des JDQ en général à bien sûr les follow. Vous avez les informations des runners américains sur le Twitch, sur l'overlay des Américains. Donc vous voyez ici qu'il y a Eggmany MN, qui a l'air plutôt sympa d'ailleurs. Bon alors évidemment il parle anglais, donc a priori ses streams seront en anglais, mais bon c'est pas trop compliqué. De comprendre généralement. Voilà. Je disais, ce sera pas World Record, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Non, le World Record était un peu plus bas, je crois. Quoi. 6 minutes 25, on nous indique. Merci, Jojo. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, il y a le boss de fin. Oh, petit OOB. Il est un petit peu hard. C'est ça. Voilà, alors c'est vrai que le jeu a l'air cool. Hein. Normalement, il y avait le premier boss qui suivait pour vous attaquer. Non, mais c'est vrai que le jeu a l'air cool. Hein. Il a pas l'air du tout. Deux, trois fois. It's just the UFO, though. Now, I'm actually going to use that reflect attack that they showed in this game, and I'm going to stand right here. Et le boss très compliqué. Voilà, il suffit de vous défendre avec votre parapluie, d'attendre posséder loin un point. Voilà, ensuite il faut lancer le parapluie pour lui faire deux coups à la suite et un combo aérien. GG. Quand il aspire. Ah oui, déjà fini. Ah mais c'est World Record. World Record, eh ben ok. Ah ben voilà, World Record de 4 secondes. Oh là là, hype. World Record. Nous avons un World Record. Wouhouhou. GG. PogChamp 4-2-0. Oh là là, exceptionnel. Voilà, premier world record de cette SGDQ. On va continuer. Non, c'est le troisième world record. On va en avoir d'autres. C'est le troisième ou quatrième world record déjà. Ah bon? Ah ouais, il y a déjà eu des world records. Il y en a eu un sur Maui et Mallard, il y en a eu un sur Maldita Castilla. Et donc celui-ci, à moins que j'en ai raté un autre. Thank you very much for watching. Enjoy Tetris, whoever's watching Tetris. Ah, les commentateurs, c'est des vrais merdes. Oui, tu as raison, toi, petit SKYNSC. Ouais, sache que j'ai été droppé sur ce jeu comme ça, au hasard. C'est pas grave. Oui. Excusez-nous si on connaît pas le world record de Spica.